deux enjeux ont été à la base de la création des cuisines solidaires. La première, les besoins en aide alimentaire qui ont été extrêmement importants dès le début de la pandémie. Deuxièmement, la perte de bénévoles dans les organismes communautaires pour préparer les repas. Donc, on a ramené les cuisiniers, on a fait un appel aux cuisiniers aux établissements pour réanimer les cuisines. Ça a été incroyable, la chaîne de solidarité et comment l'industrie a réagi malgré la détresse dans laquelle ils étaient. Moi, c'est ce qui m'a le plus impressionné, la générosité de l'industrie, malgré le fait que cette industrie-là est à genoux présentement et a extrêmement de la difficulté à se remettre de tout ce qui se passe. Alors, on est avec vous. Merci de votre élan de générosité et de solidarité. Les cuisines solidaires ont permis de nourrir plus de 2 millions de personnes et c'est pas terminé. On a besoin de vous encore pour passer à travers. Merci. Lorsque la pandémie nous a frappés en mars, on a tous été pris par surprise et les banques alimentaires aussi. Les besoins étaient très, très grands et la tablée des chefs s'est rapidement mobilisée pour créer les cuisines solidaires. Participer aux cuisines solidaires a été pour nous l'occasion d'aider notre communauté, de faire du bien autour de nous. L'implication pour nous au niveau de la tablée des chefs et bien sûr des cuisines solidaires était très importante, du moins pour pouvoir utiliser nos mains à des fins pratiques pour pouvoir aider les Québécois et les Québécoises. Nous avons toutes les installations, le savoir-faire, la technique pour pouvoir produire. C'est que c'est naturel, comme grande école hôtelière, de redonner à la population pendant cette période qui était difficile. C'est que je me considère un privilégié dans l'industrie et je voulais trouver une façon de pouvoir redonner au quotidien à des gens dans le besoin. Tout ce qui arrive, c'est pas un frein, c'est une opportunité. C'est être là les uns pour les autres. Nous sommes très heureux d'avoir participé à cette initiative humaine extraordinaire. Et nous sommes très fiers d'avoir préparé 6 000 plats pour les cuisines solidaires. Et d'avoir fait plus de 25 000 portions de plats cuisinés. On a produit plus de 30 000 repas. Participer à la production de plus de 50 000 repas. Et de préparer plus de 5800 galettes à l'avoine. Et d'avoir préparé 2000 repas pour ceux qui en ont besoin. L'équipe ici présente a réussi à réaliser 15 000 portions de porc à l'italienne et de chili végétarien pour remplir les banques alimentaires. Mon équipe et moi-même sommes très fiers d'avoir participé au projet des cuisines solidaires mené par la table des chefs. Projet au travers duquel nous avons réalisé plus de 28 000 repas. Je tiens à féliciter tous les participants qui prouve qu'en ces temps difficiles, tous ensemble, on peut faire une différence. Bravo!